لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ زلاذ بيان سيغ ماشين مون بخوف اديستانس دوك دون سي تنكيام بارتي دون نوتر لسون باراليلوغرام On va corriger les exercices de la page 148. Et dans cette page aussi on va voir des exercices qui sont d'approfondissement qui donc un grand effort donc j'espère que vous allez faire un effort pour euh, faire ces exercices là et après vous pouvez de euh, continuer de voir la solution donc euh, voici notre page 148 Voici les exercices qu'on va traiter dans, notre, euh, dans cette vidéo, j'espère que vous allez faire un effort, j'espère que vous allez faire un effort, et aussitôt que vous aurez fini de faire ces exercices là, vous pouvez continuer. De voir la vidéo. Alors bon courage et on continuera après. Donc euh, voici l'exercice 19, page 148. ACFD et ABHG sont deux parallélogrammes. ACFD, ABHG sont deux parallélogrammes. Montrer que ADEB est un parallélogramme. Donc, on va montrer que ADEB est un parallèle. Nous, on sait que ACFD et ABHG est un de parallélogramme. Donc, on veut montrer que ABED est un parallélogramme. Donc, euh, ici, je, euh, je signale que euh, l'idée ici dans le on va utiliser la, la définition, c'est-à-dire AB, on va montrer que AB parallèle à DE et que AD parallèle à BE, c'est-à-dire les côtés opposés. Donc Radin Stemlo, indique que les, les, les parties opposées sont euh, parallèles. Pour montrer que ABED est un parallélogramme. Donc regardez, on a ACFD. Radin Goulot. ACFD est un parallélogramme. Il par définition est un... Parallèle au programme. Par, par hypothèse, le B appartient à AC. Regardez, d'abord là. Donc, on va dire que AC est parallèle à DF. Donc, alors, donc, je peux dire que AC est parallèle à DF. Voilà, les côtés opposés. AC et DF sont parallèles. Donc, je peux dire que. A, donc, on a B appartient à AC et E appartient à DF. Donc, je peux dire. Euh, or, ou bien, puisque Or, B appartient à AC et E appartient à DF. Alors, je peux déduire, donc je vais remplacer la droite AC par AB et la droite DF par DE. Alors, AB est parallèle à DE. Je vais noter ce résultat-là, numéro 1. La même chose ici, on a ABHG. A B H, G est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Donc, donc H est parallèle à B E. A, G est parallèle à B e. Donc, euh, et puisque D appartient à G et E appartient à BH, regardez, D, D appartient à AG et E appartient à BH, pardon, ici c'est BH appartient à BH. Donc je vais remplacer AG par AD et BH par BE. Donc AD est parallèle à BE. AD est parallèle à BE. Voilà. Le résultat numéro 2. Donc qu'est-ce qu'on a montré On a montré que AB est parallèle à DE et AD. Parallèle à BE. Donc les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc on va dire de 1 et 2, ça c'est une propriété, à dire Hassia, on déduit oui, que ABED est un parallèle tout simplement on passe au suivant donc euh, pour ce qui concerne l'exercice 20 regardez, on a A, B, C, D et un parallélogramme de centre O. une droite delta voici la droite delta qui est en rouge la droite delta ça y est? donc euh, cette droite là il le... passe par O qui passe par O coupe AB regardez il coupe AB en Q, DC en P, il coupe DC en P et BC en N donc BC et il coupe BC en N et AD en M et il coupe la droite AD en M. Euh, la question c'est faire une figure, montrer que MBND est un parallélogramme. MBND il a dit, on va utiliser les couleurs M B donc M, B N D. Voilà le paragraphe. M, B, N D. Donc pour montrer que M, B, N, D est un paragraphe, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai montré, regardez, j'ai montré que N et M sont symétriques par rapport à O. Donc Bint, B, N N, O, M, ils sont symétriques par rapport à O. C'est-à-dire O, c'est le milieu de MN. Pourquoi? Parce qu'on a déjà O le milieu de BD, l'ardeau. Donc on a déjà O le milieu de BD. Parce que O c'est le centre de A, B, C, D. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Si on arrive à montrer que O le milieu de MN, on a O le milieu de BD, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que B et N sont les symétriques de M et D par rapport à O, D et M respectivement par, à o, par rapport à O. Donc on aura BN parallèle à MD. Et on aura aussi MB parallèle à DN. Donc on aura un parallèle. Ou bien on peut dire que euh, les diagonales, tout simplement, les diagonales, ils ont le même centre. les diagonales donnent le même centre. Donc on a a un parallélogramme. Ça y est, donc ce qu'il faut montrer maintenant, c'est de, euh, de montrer que M et N sont euh, symétriques par rapport à O. Hein, résignes, on va montrer que O, N et M sont symétriques par rapport à O. Comment euh, On a M, regardez, on a M appartient à delta, on va dire M est un point. Ah, je m'excuse, on a M appartient à delta. Regardez, n appartient à delta, à de la droite, qui passe par O bien sûr. Euh, donc, euh, donc euh, le symétrique de n appartient aussi à la droite delta. Donc, euh, donc le symétrique... De M par rapport à O appartient à la droite delta. Ça y est, il appartient à la droite delta. Donc on a le symétrique de M par rapport à O. Il appartient à delta. Ça, d'une part, hein, de minjia. Donc minjia okra ou bien d'autres parcs. Qu'est-ce qu'on a Regardez. On a la droite BC, c'est la symétrique de AD par rapport à O. Pourquoi Parce que c'est symétrique de A et B symétrique de D, hein? par rapport à O. Pourquoi Aussi parce que O c'est le milieu de AC et O le milieu de BD. Donc on va dire on a BC BC et la symétrique Il a, il a symétrique de quoi De AD par rapport par rapport à O. Pourquoi Parce que au milieu de AC, au milieu de AC, au milieu de quoi De BD. Quoi encore? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Puisque M, c'est un point, M appartient à D. On a M appartient à D. Regardez bien. Donc, puisque la droite AD, on a dit que BC le symétrique de AD. On a M, c'est un point de AD. Donc, on, on, on peut dire que M appartient à AD. Donc, le symétrique. De M encore, le symétrique de M, comme on a dit tout à l'heure, euh, de M. Par rapport, toujours bien sûr, par rapport, par rapport à O, est un point de appartient à la droite BC. Parce que tout point de AD sont symétriques, doit, on va le trouver dans BC. Parce que BC. C'est le symétrique de AD. Donc, de 1 et 2, regardez. Donc, de 1 et 2, on veut dire que M, euh, le symétrique de AD, le symétrique, ou bien de 1 et 2, de 1, le résultat 1 et 2. C'est quoi le résultat 1 Le symétrique de M par rapport à O appartient à delta. C'est quoi 2 Le symétrique de M par rapport à O appartient à BC. Donc, de 1 et de 2, on peut déduire... On déduit... On déduit que quoi Que le symétrique de M... Le symétrique de M est le point d'intersection. Le point d'intersection. Le point d'intersection. D'intersection de quoi De delta... Et de baisser. De delta. Et de baisser. C'est quoi l'intersection des delta? Donc, c'est donc, le point N. Le point N. C'est le point N. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé On a trouvé que le symétrique de MCN, c'est ça ce qu'on a montré, et on a le symétrique de DCB. Donc qu'est-ce qu'on va dire On va dire que donc euh, on va dire que O c'est le milieu de MN et le milieu de BD. Donc la conclusion. Donc on a, on a maintenant euh, donc a dit. Les, on a montré que le symétrique de MCN, donc au milieu de quoi Milieu de de MN. Donc milieu milieu de MN MN. Et comme O est le milieu de BD, donc, MBND est, est comme O est milieu. Il est aussi milieu de BD. Donc, on déduit que MBND Alors, MBND est un parallélogramme. Et parallélogramme. Parce que un quadrilatère, si a deux, euh, les, deux, les deux les diagonales ont le même centre, le même milieu, alors c'est un parallélogramme. Tout simplement, on passe au suivant. Regardez ici, construire un parallélogramme pour P O U R. Donc une croix pour P O U R. Un parallélogramme. En tout cas, si PR, il y a 3, Au PO, il y a 3,5. OPR, 70. OPR, sois, euh, 70. Je m'excuse, ce n'est pas 75. 70. C'est bien d'arrêt là. Et là, si je comment on va construire Donc, nous pouvons, nous allons mettre ça, PO. On dit PO, OK. Ça, la phrase PO. On va PO. ندير هنا 3.5 ونأخذ ناخذ ليكير ا أه؟ الميزوات و هنا لونغل غادي نحسب حتى نوصل 70 درجه هنا 70 وغندير هكا غادي يكون عندي 70 ثم ناخذ هنا 3 3 سنتيمتر ونوقف صافي ونأخذ ناخذ ثاني ليكار وغادي ندير واحد لارك دونك ناخذ هاد لا ديسونس صافي على لونغل اللي جاتينا ها هذا الكوتي دونك اونفا كومبليتي ناخد هاد لا ديستونس هاد المسافه ونجي لهنا وغادي ناخد البركار ومن بعد ناخد البركار غندير هنا واحد لاخ كندير واحد القوس القوس من دائره الشعاع ديالها 3.5 ياك وغادي نطلع ثاني هنا غادي ناخد هاد لا ديستونس هاد المسافه هنا راه يكون ار ياك دونك هنا غادي ناخد ثاني واحد المسافه وندير ثاني واحد لاخ واحد القوس ها ديال دائره الشعاع ديالها 3.5 كوستي يعني هادشي اللي كاين هنا Donc et on, on aura le point U tout simplement. c'est très facile. Hein? Donc euh, maintenant, si on arrive à mon dessiner ou bien à construire notre parallélogramme, qu'est-ce qui reste Il reste T. La T symétrique du point U par rapport à R c'est à dire R c'est le milieu donc R a dit qu'on voit le milieu de quoi de TU déterminer la mesure de l'angle, P O U P O U c'est très facile parce que POU O et O P, donc on va dire P O U c'est une propriété P O U et P et OPR et OPR sont supplémentaires. Supplémentaires. Et supplémentaires supplémentaire. C'est 180. Donc. Achna un nas. POU. Achna C'est 180. Moins OPR. Moins OPR. OPR a 70, donc 180 moins combien 70, Satatina, 110 degrés. Donc, Mia, OH, Radiel, Daraja. Donc, Nadi Kune, 110 degrés. Vous savez Quoi encore Démontrer que le quadrilatère PORT est un parallélogramme. P-O-R-T. C'est très important. P-O-R-T. P-O-R-T. P-O-R-T est un pylogramme. Donc, -ce, comment on va montrer que c'est un programme On va utiliser de la propriété. On va montrer que P-O est parallèle à T-R. EPO égal à TR. Ça fini. Radine bin obnien NPO kewazit TR parallèle ou NPO TR. Donc euh, qu'est-ce qu'on va dire? Donc maintenant on a on a on a on a fini de ça. Donc l'angle la bin débat Donc on va passer à la question numéro 4 La question. Euh, je m'excuse. Donc la question 4 la question 4. Qu'est-ce qu'on a On va dire P-O U R P-O-U-R parallélogramme. Parallélogramme. Donc, P-O, parallèle à R -U. Donc, Radin golo P-O. P-O. Il est parallèle. Je m'excuse. PO est parallèle à RU. a ah, du coup, nous parallèle. PO parallèle à RU. Mais on a T appartient à, les, les points sont alignés T appartient à RU. On a T on a T appartient à RU la droite RU. Yani les points sont alignés. Donc je peux déduire que TR la droite TR, c'est pareil. Donc, on peut déduire que TR est parallèle. Donc, la a RU, on a TR, est parallèle à PU. Voilà le résultat On a montré que PO, euh, je m'excuse. Voilà, mais si PU, on une PO. TR est parallèle à PO. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Il manque un PO égale à TR. Donc, on a, on, je répète, Razin Gultani, POUR parallélogramme. Parallélogramme. Donc, donc, la distance égale à RU. Donc, PU PO égale à RU. PO Égale à RU. et on a aussi TR est égal à RU et on a ou bien et puisque puisque TR pourquoi TR est égal à RU parce que R hein, symétrique parce que R milieu de TU hein? parce que R car R milieu de TU. Elle a acheté le symétrique de U. Donc PO est égal à RU, TR est égal à RU. Donc PO est égal à TR. Donc TR est égal à PO. Donc on a deux résultats à OMA. Ah, le résultat numéro 1. TR égale à PO, euh, parallèle à PO. PO t égale à TR, donc on va dire de 1 et 2, on déduit. Oui. Qu'est-ce qu'on déduit On déduit oui? oui, que PORT, PORT, parallélogramme. Tout simplement, on passe au suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 22, il y a démontré que le quadrilatère, etc., va être Donc, a tracé un, un triangle ABC, à ABC, on a placé le milieu I du segment BC, et le milieu de BC. Construire le point D symétrique du point A par rapport à I, le symétrique de D, le symétrique de A par rapport à I. كوا اونكو لا دغواط قالك مونتري هذا راه غتكون في الاخر هذا مونتري كو لو كوادريلاتير ام هذا غادي يكون في الاخير عاد غادي نديرو هادي من هنا هاد ان عاد غنتبعو هادي عاد نديرو مونتري دو سوا ام ان بوان دو اي ها هو ام واحد لو بوان ديال اي ام ان بوان ماشي لو ميليو ولكن ام ان بوان قالينا لا باراليل لا بي ام لا باراليل لا بي ام دونك درت هاد لا دغواط بي ام هي هادي La parallèle à BM qui passe par C. La parallèle à BM passant par C coupe AI. Hey. Il coupe la droite AI en N. C'est le point N. Ça fait C'est quoi Maintenant, c'est la question. Montrez que le cadre la Terre BMCN. Regardez, je vais utiliser les couleurs. BMCN. C N -c N.

donc euh, on va montrer que n symétrique de m ou bien n et m sont symétriques. Donc on binobi n m o n sont symétriques par rapport à quoi Par rapport à i. Il binobi n m o n sont symétriques par rapport à i. Il est que qu'on a i le milieu de m n ou on a déjà le, le milieu de BC Donc on les n quadri, le, le quadrilatère. Il a les diagonales, ils ont le même milieu. milieu alors c'est un parallélogramme. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant La question principale. C'est le, le symétrique de M. Donc qu'est-ce qu'on va dire On va dire que d'abord on a C. C symétrique de B par rapport à I. Parce que I, milieu de B. Est donc on va écrire I. On a I, milieu milieu de BC. un yeah? milieu de BC et BC HED BN parallèle à CN. c'est très important. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le symétrique d'une droite, c'est une droite qui est parallèle. Donc a BN. et BN il est parallèle à Cn, d'après les hypothèses, a la, la droite euh, qui la parallèle à BM passant par C coupes AI en N. Donc et BM ou CN sont parallèles. Donc on va dire, donc on va dire que euh, Cn donc CN, la droite, CN est la symétrique. Et la symétrique. Et la, la symétrique de quoi de BM par rapport par rapport à I. donc là CN N. il y a le symé la droite la droite on a besoin de N donc qu'est-ce qu'on va dire on va dire que donc euh, le symétrique donc le symétrique de M le symétrique de m donc le symétrique de n par rapport à par rapport à i appartient à quoi Il doit appartenir appartient à CN. Pourquoi Parce que CN, c'est le symétrique de BN. Donc le point M, euh, c'est un, un point de la droite BN, bien sûr. Alors le symétrique, on va dire c'est N. Alors on va montrer que c'est N. Deuxièmement, on a, on a, on a M. <coughs> M appartient à AI. La droite AI. M appartient à la droite AI. La droite a. Donc le symétrique de M, il va appartenir aussi à Il y en a des points alignés. Le symétrique de M il appartient à, à la droite I Donc m appartient à I. Donc le symétrique tenu de M, le symétrique, donc je peux écrire. Donc le symétrique de quoi? De n aussi appartient par rapport d'abord par rapport à I à appartient aussi appartient à I voilà donc de 1 et 2 qu'est-ce qu'on va dire regardez le symétrique de N appartient appartient à CN le symétrique de N appartient à I donc c'est l'intersection. Donc le symétrique de N, de M, c'est l'intersection de AI et de CN. Donc euh, N, donc je connais l'intersection. Ou N. Donc N. Et le symétrique. Et le symétrique de A de M par rapport à I. Donc I milieu de MN. Donc I milieu de MN. Et nous, qu'est-ce qu'on sait On sait que I c'est le milieu de BC. Et puisque et puisque I Milieu de BC. Donc, qu'est-ce qu'on a Donc, le quadrilatère MC ou bien BMCN. Donc, BMCN. Parce que il a les diagonales. Un de les diagonales, un ont le même milieu. Donc, BMCN est un tout simplement, on passe au suivant. Euh, donc, euh, pour ce qui concerne l'exercice 23, ABCD est un parallélogramme. A ABCD. Ah, oh. E est un point de la droite AB. E est un point de la droite AB. Voilà, Calcul on a, on a, on a regardé. un triangle isocèle en D. C'est-à-dire, DA égale à DE. Calculer ADE. calculer A ADE. ADE, les angles. les mathématiques, nous allons adorer Donc, ADE, comment on va calculer ADE? Ad les Les Donc, pour calculer ADE, n'oubliez pas que EDAE, hein, il y a parce qu'on a un triangle isocèle en D. Donc, les angles à la base, les hommes AED et D, A, E, radicuno, e, de, euh, de même mesure. Donc, on va dire A, D, E. Donc, je vais changer de couleur. Radicuno, A, D, E. Et isocèle est un triangle isocèle en, en D. Donc, d'abord, à l'angle D, A, e, Donc, D, A, E ça va être égal à AED égal à 40. Ça y est. voilà qu'il y a une ADE. Donc, dans le triangle, le triangle ADE, le triangle ADE, qu'est-ce qu'on a On a l'angle ADE égal à 180 moins. 180 moins AED plus ADE. Il y a 40 plus 40. 180 moins 40 plus 40. Degré, bien sûr. Donc 180 moins 80 est égal à 100. 100 degrés. ADE égal à. 100 degrés. Hédi, compte 100 degrés. dit, Ça y est. Calculer BCD. Calculer BCD. L'angle BCD. BCD. Donc, had l'angle BCD. BCD. dit, Il est. Euh, il a la même mesure que DAB. Hédi. Héd l'angle les deux angles sont les ongles, deux angles opposés dans le parallélogramme ABCD donc on va dire à, donc voilà qui a dit comment on va trouver cet angle là 40. donc head DAB et DAE ils sont quoi donc DAE et DAB sont deux angles supplémentaires donc à on a BCD d'abord euh, on a ABCD parallélogramme, je répète. Parallélogramme. Donc, c'est un parallélogramme. Donc, l'angle BCD qu'on qu cherche, il y a dit BCD égale à BAD. Ce sont deux angles opposés dans un parallélogramme. Et euh, donc, sont. De, de mes mesures BAD donc Adingulu calculons Adines Boehner on va calculer BAD donc qu'est-ce qu'on va dire on va dire que BAD et DAE sont deux angles supplémentaires on a BAD et DAE DAE sont supplémentaire. Deux angles supplémentaires. Il y a la somme du Donc, BAD égale à 180 moins DAE, moins 40, égale à 140. 180 moins 40, c'est 140. Donc, d'où BCD égale à 140 degrés. Tout simplement. On passe au suivant. Regardez, AIRE est un parallélogramme. Là, la définition dit le périmètre de a C'est quoi le périmètre? C'est la somme de des longueurs des côtés. Donc plus ADAPT, plus Donc, c'est comme le... La méthode, c'est comme le... Le rectangle, donc un ordre de dit AE plus ER fois 2. Donc, on va dire le périmètre, le périmètre de AIRE, j'ai noté P, périmètre, c'est égal à quoi 2 fois 6 plus 10, égal à 2 fois 16, égal à 32 cm. Et c'est le périmètre. Pour ce qui concerne l'air, l'air, tu de met à la hauteur fois fois, fois, fois donc fois, fois 10. Donc, euh, l'air, l'air de A, I, R, E, c'est quoi Donc, c'est très facile. Donc, on les définitions, etc. C'est 4 fois 10 égale à 40. Centimètres au carré. l'unité qu'on a fait, Vous savez? L'exercice 25, regardez. On a d'abord ABCD, un triangle rectangle. On a AB, on a 8 cm AC. On a M milieu. M milieu de quoi? M milieu de M milieu de AC. Vous savez? Soit M, AB est égal à 6. Et AC est égal à 8. Soit M le milieu de AC, N le point tel que BMCN est un parallélogramme. Vous soit N, le point N est là. tel que BM, regarde, BMCN parallélogramme. Là, c'est un parallélogramme. Faire une figure, et il y a la figure, il a dit, calculer l'air du parallélogramme BMCN. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire Donc, a dit CM, c'est le cas, CN. ملتي بريبار هادي هاد لا هوتور هادي سيتي نوتور لاحظتوها دونك هنا بعيلة عندك هكا دونك ان فوالا هنا بحال هاك دونك هادي هادي هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا خاصها تكون بيربونديكيلار هادي كتسمى هوتور وكاينة اون اوتر هوتور راه هي هادي راه حتى هادي هوتور هاكا ولكن يكون بيربونديكيلار هاكا Et c'est une hauteur. La longueur de ce côté ou bien celui-là. Donc, on va écrire l'air du parallélogramme. L'air de BMCN. L'air de BMCN, c'est quoi? C'est CM. C'est CM multiplié par AB. C'est la hauteur. Donc CM, c'est quoi CM, c'est 4, c'est 8 sur 2. Donc 8 divisé par 2 fois, fois 6. Donc c'est 4 fois 6 égale à 24 cm au carré. Tout simplement, on passe au suivant. Regardez ici, on a A, B, C, D est un parallélogramme de centre O. M, le symétrique de A par rapport à D, quelqu'un dit M. Le C M, le symétrique de A par rapport à le point D. Il y a un N D le milieu de AM. Hmm? Ou il y a N le symétrique de C par rapport à B. Hein? Euh, non, N le symétrique de C, voilà, par rapport à B. Donc how N. Donc Iconani B le milieu. Ta wa le milieu de de baisser donc voilà d'ailleurs on a baissé galadien donc on a donc c'est pas grave faire une figure il la figure montrer que O est le milieu de MN montrer que O c'est le milieu de MN MN donc regardez ah MN MN ah voilà MN donc euh, regardez comment on va montrer que O c'est le milieu de Mn. Donc pour montrer que O milieu de Mn Bino O le milieu de Mn, c'est-à-dire on va montrer que euh, c'est un parallélogramme. On va montrer que A euh, M, Bino, A, N, c.m. M et le bine bi est un parallélogramme ah ouah regardez voilà A N C M ana ran bi c'est un parallélogramme mais comment regardez on a ABCD B est un parallélogramme donc qui va être ran bine ran bi ana A je vais montrer que A M elle est ran bine ran bine bi ana A M C N ah ouh et ils sont parallèles. Et que AM, c'est très important, parallèle à CN. Donc, radiculeux de même longueur. Et, et, et ils sont parallèles. Donc, qu'est-ce que je vais dire Donc, pourquoi ils sont parallèles C'est très facile. Radin Goulot, on a, euh, on a ABCD parallélogramme. ABCD parallélogramme. Parallélogramme. Donc, donc AD est parallèle à BC. Les côtés opposés. Hein? AD est parallèle à BC. M appartient à D. Parce que M, c'est le symétrique de, de A par rapport à D. Donc, Angulo. Et M. M appartient à AD. Quoi encore N appartient à BC. La même chose. N appartient à BC. Donc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire Donc, on va remplacer la droite AD par AM. Donc, on peut dire que la droite AM, radicune parallèle à CN. Voilà ah, le résultat 1. Donc, on a montré hein, le résultat les rois AM parallèles à CN. Ça fait Maintenant, on va montrer qu'ils sont, regardez, donc radine binul N, la longueur... Euh, ou bien la distance AM égale à CN. il reste AM égale à CN. On va dire AM. Donc, Radin on a AM. C'est quoi AM On a AM égale à 2 fois AD. Pourquoi 2 fois AD. Car Radin on a D, milieu parce que D est milieu de... D milieu de AM. D milieu de AM. Parce que euh, M symétrique de A par rapport à D. Mais AD, regardez. Mais AD, c'est égal à BC. Donc, et puisque... AD égale à BC. Pourquoi AD égale à BC? Parce que ABCD par l'hélogramme, euh, les, les, les côtés opposés sont de même longueur. AD est égal à BC. Donc, AM, ça va être égal à deux fois. Donc, je vais remplacer AD par quoi? Par BC deux fois BC. Mais regardez ici, deux fois BC, ça va donner CN. Parce que B c'est le milieu de, de CN. Donc égale 2 fois B c'est Ranahoda teneble CN. CN ou la NC. Ça y est Donc. Donc euh, c'est donc ça ce qu'on va dire. Donc AM égale à CN. Hadawa le résultat numéro 2. Donc Hadawa 2. Donc on va dire... De 1 et 2, on déduit oui, que ANCM parallélogramme. ANCM parallélogramme. Et si c'est un parallélogramme, alors on, on va déduire que euh, AC, AC et MN, ils ont le même milieu. Donc, AC et MN ont le même milieu. Et s'ils ont le même milieu, c'est quoi le milieu de AC? Donc on va écrire ici, d'où, au milieu de quoi? Milieu de. MN. Do M au milieu de MN. Et on passe au dernier exercice. Galilina. A et B deux points distincts. c'est une question, c'est une très belle question. Galilina, construire le point C symétrique de A par rapport à B en utilisant que le compas. attaque à ce le point a le point B. Le point C est symétrique de B par rapport à A en utilisant le compas. Donc, j'ai construit le cercle de centre A et de rayon AB. Et le cercle de centre D. Euh, euh, donc un autre le, le, le cercle autre de centre B hein, et de rayon AB donc c'est okay, la quarte D autre ah, ou tu le cercle autre de centre D et de rayon autant et il coupe le point E savez ou tu le cercle autre de centre E et de rayon AB donc toujours de rayon le, le même rayon savez je euh, le C ها هو لو نيميرو 1 صافي وتبعت لي هذا سيركل نيميرو 2 هذا لو سيركل 1 اي و 2 عطاوني هذا لو بوين دي هنا صافي وعاود ثاني درت لو سيركل سيركل 3 فوالا وعاود عاد ملي عطاني هذا لو بوين هنا عاود درت ثاني واحد لو سيركل سي 4 صافي le cercle 1 toujours le même rayon AB donc qu'est-ce qu'il reste à montrer quoi donc c'est une bineu d'abord bien ne perd l'intersection et c'est le milieu de AC alors what est-ce que c'est l'intersection d'abord regardez ici Anna A K AB hier et duracolom ils sont les mêmes de même mesure là là voilà, c'est tout. On l'appelle un losange. Pourquoi Il a B, il y a A, D, il y a D, E, il y a E, B. Quand on a un quadrilatère, il a a les côtés opposés, sont de même mesures. C'est un parallélogramme. Donc, c'est un cas particulier, l'essentiel est opposé les côtés opposés, Heda, 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 ils sont de même longueur. Donc, c'est un parallélogramme. Bien. Donc, un goût. A, B, E, D est un parallélogramme. A, B, E, D est parallélogramme. ça fait. N'joute ni l'achor. Hé, ou l'achor. دي اي راه كلشي هاد هالي كوتي هادو كلهم راه بحال بحال هادو هذا تاني باراغرام دي او هاد لي كوتي كلهم بحال بحال هادو هذا دي او سي بي باراغرام دي او سي بي اي باراغرام باراليلوغرام دونك كيسكو نورا صافي eh, veut... دابا هادشي لي لغ... غادي نقولو دونك on a deux parallélogrammes donc on va DE DE est parallèle à AB on donc les figures. figure on a DE donc, à goulot, D, e, euh, D, e et parallèle à AB on a DE mm. e, parallèle à AB le parallélogramme voilà quoi encore on a DE parallèle à BC dans e, parallèle à BC donc, l'Ardomaïa, indi deux droite, qui sont parallèles à la même droite et qui ont un point commun. Donc, Rédu, Avacom, Radir, on B AB, alors AB égale à BC. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les points sont alignés. Donc, c'est-à-dire donc euh, B est un point de AC. Donc, Bera, qu'est-ce qui reste Parce qu'il faut montrer que B c'est le milieu de AC. Parce que le C c'est le symétrique de A. Donc, La première question. On a dit la même chose. En utilisant les parallélogrammes. On a DE égale. égal. D'abord, on parallèle. On a l'égalité. DE égale égal à AB. On a DE égale égal à AB. Parce que là, est un parallélogramme. DEBA. Là, de égale à baisser. Là, crash, de, CB. un programme. Donc, on va e de, égale à cb. Donc, juste les résultats. Radio, tu a De égale à BC. De égale à baisser. Ça y est euh, Non. De égale à b, de égale à b. Tu a de, AB b égale à cb. AB b égale à cb. Donc, regardez, on a deux résultats. Donc, qu'est-ce qu'on a On a la distance B à BC. Il a AB égale à BC. Où elle a B appartient à C Donc, donc de 1 et 2, on déduit. On déduit B milieu de AC. B milieu de AC. Donc, on a D, B milieu de AC. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ou bien, ça signifie, ou bien, c'est-à-dire, que c'est, c'est-à-dire, c'est symétrique de, de A par rapport à B. Tout simplement et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 6 de notre leçon parallélogramme, on va corriger les exercices de la page 149. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt